Pardon, monsieur. Oui. Cette table est libre? Oui, oui, la table est libre, oui. La chaise? La chaise aussi est libre. Ben, c'est heureux, parce qu'à quoi aurait servi la libération si elle n'était pas libre? Oui, évidemment. Voyons. Bon, à huitaine. Eh ben voilà, maintenant on n'est plus libre. Eh ben voilà. Bon. Excusez-moi de vous dévisager un peu cavalièrement, monsieur, mais... Descendez de cheval, monsieur. Ça... Oui. J'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré quelque part. Ah, c'est bien possible, j'y vais régulièrement. Ah, oui. Ah ben moi aussi, je suis dans le même cas que vous, voyez-vous. Ah ben... Ça doit être là. Enfin, entre nous, vaut mieux deux hommes dans le même cas qu'un seul à la mer, hein. Ben voyons. Ah oui. Ou trois dans le pétrin. Oui, ou quatre dans la... Dans la quoi? Dans la même situation critique. Ben oui, évidemment. Ben oui, bien sûr. Bon, enfin. Dites-moi, vous... Hein? Vous passez pas à Bobino, vous? Dans si. Un grand music hall de la rive gauche? Si. N'est-ce pas? Ben oui, bien ben sûr. C'est là que je vous ai vu. Ah, vous y pensez aussi, vous? Oui, oui. Ah, c'est curieux. Oui, oui, c'est vous qui vous marrez comme une baleine. Oui, vous comme deux, au ben moins. C'est... ça fait le poids. Oui, bon. Ouais, bon. Ben, comme ça. Bon. Dites-moi, dites journal, ça s'annonce pas très bien en ce moment, non? Ben, c'est pas encourageant. Ah, non, non, je mets mes lunettes, hein. Pas que j'en ai besoin, mais je les ai achetées, autant m'en servir. Ben oui. Oui, pas la peine de foutre l'argent des lunettes par les fenêtres en ce moment. Hein? Qui aime bien ses lunettes ménage sa monture. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Dites, c'est pas brillant tout non, ça. Non, même les prévisions météorologiques, ça n'a rien d'extraordinaire. Ah non, c'est hein? Pas brillant. Ah non, non, non. Dites voir un peu. Vous voyez, c'est désolant ça. Quoi? De rassurant à menaçant. Ah oui, c'est les prévisions météorologiques oui. pour le prochain week-end, oui. Les fêtes de Pâques et les prochaines fêtes foraines. Oui. De rassurant à menaçant, de menaçant à pas bien beau, oui. De pas bien beau à plutôt moche et de plutôt moche à franchement tarte. Ah, oui, hein, c'est pas encourageant. Pas brillant. Il y a un ciel généralement couvert sur l'ensemble du pays, avec en partie belles éclaircies, les permettant de se découvrir respectueusement devant les cortèges et les défilés de cumulus. De cumulonimbus, d'altostratus, de cirrus, de 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la suite russe. Et puis les températures possibles et probables. Ah oui, oui, pour les régions Nord-Atlas, Sud-Aviation, Est-Républicain, Ouest-Démocratique, Centre-Gauche et Centre-Droit. Sous le bras, 37,5. Sous la langue, 38,2. Ailleurs, suivant le cas. Oui. Eh ben oui, ils ne oui. Peuvent pas y mettre le nez. On va aller y voir, non, bien sûr. Oui. Bon. Oui, enfin dites-moi, tout ça c'est très joli, mais vois ça avec le changement de gouvernement, enfin qui est le même d'ailleurs, avec ouais. Le bouleversement. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle? Bah, on ne sait pas. C'est... Oui, bien sûr, c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit. Ah oui. Ouais. Mais et quand même, hein, quand on y réfléchit. Quand on va au fond des choses. Oui, on risque d'y rester. Oui. Hum? Et pour en sortir. Oui, c'est toute une histoire, toute une affaire. Hein? Hein? Enfin, oui. C'est comme ça, hein. Et pas autrement. Et non. Et non. Et, oui, et enfin. Non. Et comme disait celui qui ne devrait plus rien à dire, vaut mieux se taire. Ben oui, et je oui. Vois bien. Eh oui. Ouais. Bon. Moi, je... Quoi? Je me demande où je vous ai vu. Là. Vous habitez le quartier? Ouais, j'habite au 121 avenue du commandant Jonathan les renforts de Tananarive. Ah. Oui. C'est bien, là, comme quartier, c'est central. Oui, périphérique en même temps, ce qui ne gâte rien, bien sûr. Vous oui. Habitez dans un IGS? Un IGS quoi? Un IGS. C'est-à-dire? Un immeuble à grand standing. Ah non, non, une HLI. Qu'est-ce que c'est que ça? Une habitation à loyer immodéré. Ah bah oui, c'est... Ouais, ouais. C'est bien, quel étage vous êtes? Au 20e. Vous devez avoir une belle vue de là. Ah, très belle vue, ouais. Bien imprenable. Hein. Oui. Ah oui. Ça donne sur quoi? Sur un immeuble administratif de 32 étages. Oh, bah vous êtes tranquille, là c'est calme au moins. Ah oui, oui, fouteriez, il n'y a personne. Il n'y ah, oui, a personne la journée, alors il ne foutez rien. On est tranquille. Hein? Vous avez quoi dans votre appartement? Comme ah oui, ben il y a une entrée, hein, un hors d'œuvre, oui. Un plat de viande garni, oui. Un entremet, un dessert, deux cafés l'addition. Oui, oui, c'est oui ça. Le service est couvert compris. Oui. Oui. Vous avez une terrasse? Ah, une grande terrasse, oui. Ah oui, une grande terrasse, oui. C'est agréable ça. Ah, très agréable, oui, parce que ça me permet de faire un peu d'élevage. Ah, vous élevez? Oui. Vous élevez quoi? Des poules, des lapins, des escargots? Non, non, des chevaux. Des chevaux? Oui, chevaux, oui. Ah, bah c'est une grande terrasse. Ah, une grande terrasse, oui. Les voisins du dessous sont agréables. Ah,
Oui, oh, ne se plaignent pas. À part ceux qui roulent speed, personne ne se plaint. Ah, bah, ça, oui. Dites quand même, quand vous allez faire une marche d'entraînement vers minuit et que vous rentrez avec tous vos chevaux dans la maison, oui. Ça doit... Ah ben bah, non, d'abord, ce sont des chevaux bien élevés, au 20e, vous vous rendez compte. Oui. Puis alors, je leur ai appris, ils sont éduqués, pourriez ah, voir. Oui. Ah oui, ils ne hennissent pas en passant devant le concierge à 10h. Et ni soit qui mal y pense. Comme vous dites, voilà. Oui, bien sûr. Et puis, ils retirent leurs sabots. Hein, en plus, ce sont des ça chevaux. Ça fait pas de bruit. Des chevaux bien élevés. Très bien élevés. Oui, est-ce oui. qu'il y en a qui seraient capables de faire les livraisons tout seuls à Paris? Ah, pourquoi pas. Oui, bien c'est sûr. Rare. Et vous habitez du quoi par quartier aussi? Ben, en banlieue. Ah, où ça? Un petit coin charmant, à Mézil-et-Deux-Poignes. Mais il ne veut pas, ah oui, c'est très joli par là. Oui, dans le Val-de-Grâce-de-Marne. Val-de-Grâce-de-Marne, c'est oui, charmant. Oh, c'est charmant. Oui. Oui. Vous avez un pavillon là? J'ai un pavillon, oui. Quel genre de pavillon? Ben, un pavillon de la marine marchande. Ah, ouais. La marine marchande ou la marine nationale? La marine de guerre. La ah, marine nationale. Oui, ah, oui. C'est ça. Ah, naturellement, tous les matins, vous faites le salut aux couleurs. Non. Non? Non, je tire un coup de galure au marchand de couleurs en face. Oui, ça revient au même. Garçon charmant. Oui, c'est oui. même meilleur. Oui, oui. Oui. Bon, ben dites-moi, le temps s'avance. Hein. Ben oui. Ben, nous avons encore beaucoup de choses à nous dire. Hein. Ben oui, ça serait dommage. Je suis content d'avoir bavardé longuement avec et vous. Moi aussi. Ben alors, peut-être pourrions-nous prendre pour reprendre cet entretien tout de suite, un prochain rendez-vous. Il faut qu'on se voit. Ben hein? Prenons-le tout de suite, le rendez-vous. Ben oui, ben oui. Quand voulez-vous? Ben, quand vous voudrez. Bon, et où ça? Où vous voudrez. Bon, et à quelle heure? Votre heure sera la mienne. Ben, j'y serai. Ben, moi aussi. Au revoir. Alors, d'accord, au revoir, monsieur. Bon, désolé.